Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenomen Fly et bienvenue pour un nouvel épisode sur Spiro. Oh yeah, avec notre dragon préféré Sparks et tous ses amis. Et aujourd'hui les amis, nous allons attaquer un nouveau niveau qui s'appelle Aiguille des Nuages. Alors dans l'épisode précédent, nous avions pu aider Shella à tout simplement libérer ses amis. Nous sommes retournés dans le village ensoleillé et comme vous allez le voir dans le petit carnet, on a réussi tout ça à 100%. Donc ça fait super plaisir. Et du coup maintenant, on va se lancer dans un nouveau monde qui se trouve juste derrière, qui s'appelle Aiguille des Nuages. Alors, juste avant que la vidéo ne commence, les amis, n'oubliez pas, balancez un maximum de likes si vous adorez, Spyro, l'univers. Et puis, pour m'aider aussi dans le référencement des vidéos, pour aider la chaîne à avoir plus de visibilité. Oui, t'inquiète pas Spyro, on va y aller, je comprends, tu as envie d'y aller en pleine action, c'est le matin, je comprends. Mais t'inquiète pas, on va y aller, ouais, on va y aller, t'inquiète pas. Et bien évidemment les amis, si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et comme ça, vous ne pourrez pas louper les prochaines sorties vidéo, que ce soit gaming, urbex, story ou court-métrage. Bon, l'instant pub est passé, chasseur, il est temps d'aller dans l'aiguille des nuages. Waouh, ça en jette. Nous y sommes, aiguille des nuages. Et effectivement, nous sommes bien et bien au-dessus des nuages. Alors là, il n'y a pas à dire. C'est vraiment bien, bien au-dessus des nuages. Et là, je vois un énorme rhinocéros volant. Couché. Tu crois que tu me fais peur avec tes ailes? Oh, King est mignon. Je vais lui parler tout de suite. Ont arrêté notre générateur de nuages et je ne verrai peut-être plus jamais un arc-en-ciel. Ok l'ami, ça marche. On va te le réactiver ton générateur de nuages. Ne t'en fais pas. On va le faire. Le héros est présent. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la miniature tout de suite. Il me faut un bel angle de vue. Oh oui. Attendez. Là, il y a un bel angle. Oh oui. Oh oui. Oh oui, quel beau gosse Spyro. C'est dans la boîte. Oh, magnifique. Magnifique miniature. Ah, j'ai trouvé l'angle parfait direct. Oh, c'est magnifique. Bon, alors. Ça ici. Faut souffler dessus. Non, foncez. Ok, ça devient vert. Très bien. Bon, oula. Par contre, c'est où? J'ai pas intérêt à me planter. Hein. Ouh, 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 ouh. Par contre, là ici, j'ai une petite question. Je fais comment pour aller des autres côtés? Donc là, je passe par... Ah, ok, un ascenseur juste là. Je ne l'avais pas vu. Allez, descends. Voilà, fais-moi monter. Voilà. Présent. Si mes ailes étaient aussi fortes que les tiennes, je pourrais facilement planer ici. Ok, là, on nous rappelle comment planer. Ça marche. Va falloir planer. On va falloir aller là. Alors là, ici, c'est un peu trop haut, donc on va passer par là. Couché! Ne me fais pas un chant lyrique si tu chantes faux. Immonde rhinocéros. Attends, je vais prendre ça aussi, tant qu'on y est. Là! Au revoir. Je t'ai vu. Ok, là, ici. Ok, il y a ça pour monter, donc je suppose que ça va nous aider à planer. Oh oui! Oh oui que ça nous aide à planer! Oh là là! On s'envole dans le ciel! Oh, ce niveau il est magnifique! Pour le moment, je pense que c'est mon préféré. Bonjour Zoé! Qu'est-ce que tu vas me dire? L'armure en métal de ses ennemis les protège contre les flammes des dragons. Si tu appuies longuement sur charge, tu peux les vaincre avec ta charge.
Ne m'apprends rien de plus à mon métier, très chère Zoé, mais merci. Merci du rappel. Allez, let's go! Attack! Ok. On oublie pas de joyaux, c'est super important. Et gros dindon à corne, au revoir. Housse du balai. Alors là, ici, il y a sûrement un truc là. Si je monte dessus, ça fait rien? Non? Non, ok. Ça ne fait rien. Bon, bah, il faut voler de l'autre côté alors. Zébadi! Un rhinocéros volant, franchement. On aura... Méchant! En tout cas, on a sauvé un œuf. Ah, voilà, Stéphanie. J'ai cru qu'il était bloqué. Ouh, ça, c'est une grande fille. Eh ben voilà! Un autre petit dragon de libéré, c'est magnifique. Stéphanie. Alors on va allumer le bout de générateur ici, voilà. Là ici j'avais pas vu qu'il y avait un petit escalier. Un peu filou ça. On passe par ici. Alors, on prend les joyaux, voilà, voilà. Parce que notre ami Richard Grossou, il est capable de nous demander encore une rançon pour pouvoir avancer. Donc autant en avoir un maximum, ça lui fera aussi plaisir. Alors l'ascenseur descend, c'est good, mais avant... de monter, il faut que je termine tout ce côté là, on le fait de manière méthodique, on n'oublie rien, rien du tout. D'ailleurs après je vais garder s'il n'y a pas un petit point de compétence en premier. On garde. Au revoir. Alors ça c'est pour moi du coup. Hop. Tac 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 tac. Ouais vous avez entendu, hein, il chante vraiment faux. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il chante pas bien. Maudit rhinocéros. Oh, tiens donc! Qu'est-ce que je vous avais dit? Tiens donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Richard Grossou. Mais dis donc. On va aller voir ce qu'il nous veut. Ça alors? Mais c'est mon dragon préféré. La sorcière m'a demandé de garder ses soufflets. Mais je pourrais regarder ailleurs si j'étais occupé à compter des gemmes. Qu'est-ce que je vous avais dit? Eh ben, écoutez, 200 gemmes, oui. Ah oui, jolie petite gemme. Très bien, Spiro. Tu peux maintenant utiliser ces soufflets quand tu veux. Bonne chance pour ta chasse aux œufs. Ça marche. En tout cas, tes affaires se portent bien, Richard. Ça, c'est sûr. Oula. La la. Attention, chargez. Au revoir. N'oublie pas, pour planer le plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut. Puis utilise action pour battre des ailes à la fin du vol plané. Ça marche, merci du rappel. Bon, ici c'est easy, hein. Voilà, on prend, allez, hop, les gemmes, venez par ici, c'est magnifique, les petits joyaux, c'est magnifique. Hop là, oh, un dindon volant. Ah ah, cette fois-ci, tu ne mourras plus. Au revoir, méchant rhino, descendez du nuage. Tac, 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 tac. Ok, good. Ah ah, il y a un petit truc là. Est-ce qu'on peut passer par là? À mon avis, oui. Non? Si, si, il y a un truc ici. Failli tomber. C'est pour aller là. Ok. Je viens de comprendre. Bon, attendez. Hop. Là. Ça, c'est la fin du niveau. Maintenant on va aller par là. Bah en fait j'ai fait le tour pour rien. J'ai fait le tour pour rien. Je n'aurais peut-être pas dû. Ah là par contre il y a quelque chose tout en haut. Ouais il y a quelque chose tout au-dessus. Très bien. Il va falloir faire un gros vol plané. Ça marche. J'ai vu qu'il y avait un très gros vol à faire.
va passer par là. Tac. Allez, au-dessus. Voilà. Hop là. Ok. Oh, il va falloir aller là. Maintenant, on peut savoir comment. On va voir. Peut-être que par après, on va nous proposer peut-être un souffle ou que sèche. On va voir. Peut-être par après. On va le savoir tout de suite. Bon. Ah, mais peut-être à Sheila. Hein. Regardez là. Il y a un petit portail pour les défis. Ah bah, c'est Sheila sûrement qui va nous aider. Bon, on va parler à notre petite amie là. Et après, on va voir ce qui va se passer. Oh, tu as activé les soufflets? Je vais peut-être pouvoir relancer le générateur de nuages. Les Rinocs doivent avoir utilisé ça pour boucher le générateur de nuages. Salut Henri. Salut toi. Et hop, encore un dragon délibéré. C'est magnifique. On a notre 13e dragon. Ça fait quand même un sacré paquet de dragons. Hein. Alors là, je vois que il y a de quoi planer. On va voir. Peut-être que c'est dans un autre niveau, Sheila. Waouh. Oula. Où suis-je? What? Où suis-je? Un niveau caché? Oh, et un voleur d'œuf. De pluie à l'aube, mais ces méchants esprits empêchent nos cloches de sonner. Utilise le bonus de super vol pour enflammer les esprits des clochers. Très bien. Il y en a 6. On a loupé un au début, mais on va l'avoir. 4. Et le dernier qui était là. Là. Tu veux ce petit machin? Il est tombé du beffroi. Et on a sauvé Jake. Yeah. Coucou. C'est parfait. 14 œufs et on va avoir un 15e juste là parce que j'ai vu qu'il y avait un voleur 2. On salue l'eau de première encore. Par contre il pleut hein, donc ça va être une autre paire de manches. Alors où il est ce voleur 2? Parce qu'il a bougé très vite, il m'a vu hein. Ah il est là. Ah ah. Viens ici voleur. Ici. Ah le voleur. Voleur, j'en ai battu les plus coriaces. Bon ça peut être très long. Petit voleur, viens ici. Allez, Hugo. Oh, je l'ai. Je l'ai. Et on libère Brian. Oh, beau gosse. Salut, Brian. Et voilà. 15e petit dragon libéré. Ça fait plaisir. Bon, on va récolter tous les joyaux qu'il y a ici. Et après, ben, je pense finalement qu'on pourra peut-être ne faire que ce niveau-là, parce qu'il a l'air très très long. Parce qu'en plus, il y a Sheila qui nous attend de l'autre côté, je parie. Ou peut-être chasseur, hein, qui sait. Ou peut-être quelqu'un qu'on connaît pas encore, je ne sais pas. On verra. J'ai vu qu'il y avait un niveau caché juste à côté. Ok. Alors, on va prendre ça. Instinct. Oula. Stop, pousse-toi. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs qui se cacheraient ici? Direct non, très bien. J'aurais cru parce qu'il y a une petite plateforme là. Je vais y retourner. On va voir, la petite plateforme là, je sais pas, j'ai. Là, ici, il y a une petite plateforme. Ok, on peut pas aller par là plus loin. Parce que par ici, c'est pareil. Ok. Et là. Ok, on a une très belle vue ici.
Je vais peut-être faire plutôt ça comme miniature. Je sais pas. Non, la première était bonne. Ok. Bon, bah, on peut retourner alors. Hop là, on redescend. Bon, bah, Sheila, je pense qu'on va avoir besoin de toi. J'arrive. Oh, non. Oh, non. Oh, le fail. Le fail. On n'a rien vu. Je savais pas qu'il y avait un trou. Oh non. Le fail. T'as pas eu toi. Au revoir. Oh le fail. En même temps, regardez, c'est tellement rikiki. Comment voulez-vous que je le vois? Oh, et il y a trois genres de smiley lunettes de soleil. Ils n'ont pas l'air sympathiques. Notre soleil a disparu. On peut en faire un autre avec notre chaudron de fusion de lave et trois graines solaires. Mais elles brûlent avant de tomber dans la marmite. Marche sur l'interrupteur pour obtenir une autre graine et garde-la enflammée jusqu'à la marmite. Waouh, tu me demandes beaucoup. Donc en gros, ça c'est une graine de soleil et je dois faire en sorte qu'elle fusionne pour devenir un nouveau soleil. Très bien. Donc je dois courir comme Jaja. Il y en a trois. Ok, ben avant, on va récolter les joyaux. Comme ça, on peut aussi se situer où sont ces fameuses graines. Donc il y en a une là, au tout début, très bien. C'est comme ça nous évitera de chercher après. Waouh, mais les graines solaires, elles sont un peu éloignées beaucoup, non? Elles sont pas un peu beaucoup éloignées. C'est chaud là, ce que tu me demandes, hein. Je veux bien que je sois un super dragon, mais bon, faut pas non plus. Ah, ok, il y en a un là. Je l'ai vu. Ça en prend. Très bien. Tout en haut. Hop là. Ah, là, il y avait un endroit. Je l'ai oublié. Donc, faut la garder enflammée jusqu'au chaudron. Faire gaffe parce qu'on pas de joyau ici. Ok. Ah non, ok, j'ai compris. Il n'y en a qu'un seul. Je dois appuyer sur le bouton et après, en fait, il doit passer à côté des trois. Ok, j'ai compris. J'ai compris ce qu'elle me racontait. Maintenant, c'est, je vois clair. Oh, ça va aller alors. Allez, go. Ça, on en fait un. Faut aller en chercher deux autres. Là, on a deux. Ok, il en reste plus qu'une. Faut se dépêcher. Hop là. Non. Je l'ai loupé la dernière. Allez, on y est presque, on va y arriver. Bon, attends, hop, voilà. Pourra être trop cute celle-là, elle va trop vite. Faut accélérer. Oh, bah c'est mort ça. Mais t'es trop haut aussi. Oh là là, tu vas trop vite. Ah bah oui. Mais il va trop vite celui-là. Et c'est le dernier, hein, en plus. Allez, go, dépêche-toi. Espèce de... Allez, rapidos, Speed Gonzales, là. Non. On passe. Non. Yes, j'y suis arrivé. Oh, bah, voyons que ça fait compliqué. Ouh là là. Cette graine solaire en souvenir. Je crois qu'elle est faussée de toute façon.
Et ce n'est pas une graine solaire, c'est un dragon. Salut Lulu. Mourto pas minou. Allez, on passe par là. Bien. Ça, c'est good. Alors maintenant, comment fait-on pour aller tout là-bas? Allez, il faut que je prenne ça. Ah. Peut-être qu'on s'est passé d'ici, peut-être. Ça est jusqu'où? Ah non, non. Non, c'est pas ça. Comment je fais pour aller tout là-haut, de l'autre côté? Il y a un vol plané à faire, ça c'est sûr. Peut-être qu'il faut que je retourne de l'autre côté. Il y a un point d'accès, mais où? Peut-être par là-bas, peut-être. Allez. Allez, descend. Voilà. Allez, monte. Allez, plus haut. Allez, plus haut. Descends, monte. Voilà. Faut essayer d'aller par là-bas. Voilà, couché. Et il y a un œuf là, au coin. Ok. Du coup, Ouais. Il y a un vol, mais j'ai l'impression que je suis pas... Ah, non, là-bas. Faut retourner au début du niveau. Ok, j'ai vu. Je sais où il faut aller, les amis. C'est bon, j'ai. Faut retourner là-bas. C'est pour ça qu'il y avait des pierres un peu partout. En fait, les pierres, ce sont des tremplins pour avancer. Ok. Voilà. Et là, on est pas du bon côté, je parie. Voilà. Exact. C'est bien ça. Regardez, on y est. Ça y est. Oh, méchant. Et en plus, ça se moque. Voilà. Au revoir. Bon, ça c'est good, ça c'est good. Maintenant, on passe à côté. Ok. Attention au feu. Ça passe comme dans du beurre. Ok, ça passe. Hop, 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 hop. Il refait là. Avec les derniers joyaux, je suppose. Clair. Et voilà. C'est good. On a tous les œufs d'ici. Ça, c'est bien. Par contre, il manque des joyaux. On fait un point sur le carnet. Carnet. Combien de joyaux manque? Il en manque... Ah, un seul. Ok. Il nous en manque qu'un seul. Ok. Où est-ce qu'il pourrait être? Il en manque. Ah! Peut-être de l'autre côté que je l'ai oublié. Bon bah écoutez, pour un seul joyau c'est pas trop grave. Bon par contre, hop, voilà, on va faire ça. Pour un seul joyau c'est pas trop grave, je reviendrai en hors caméra le chercher. C'est pas grave. Allez, retour à la maison, mission accomplie. J'ai vu quelque chose briller dans cette grotte. J'étais déjà au courant, mais merci chasseur de l'info. Bon, eh bien voilà les amis, on vient de terminer ce niveau. Alors bon, il manque un petit joyau, mais ne vous en faites pas, j'irai hors caméra le chercher. Il doit sûrement pas être bien loin. Bon, on va avancer par ici. Alors déjà, bon, on a déjà plus de 10 œufs, donc ça va être good, on va pouvoir aller là. Là-bas, il y a d'autres niveaux. Ok. Alors les amis, du coup, je vais aller voir mon ami là, je vais aller lui parler. Mon portail fonctionne à nouveau. Viens me voir à la loge Tiki. Très bien. Donc les amis, bah finalement, ce fut un bel épisode. Très long. On n'a fait qu'un seul niveau ici pour aujourd'hui. Mais bon, malgré tout,
C'était plutôt sympathique. Et puis, bah, on s'est bien amusé. En tout cas, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Donc, les amis, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, maximum de likes. Et on s'abonne si vous voulez me soutenir dans ma passion. Et ça me ferait vachement plaisir. Et je vous remercie infiniment, les amis. Et sur ce, dans le prochain épisode, on se retrouvera dans le cratère en fusion. Et on retrouvera notre ami Rocky dans la loge Tiki. Allez, ciao ciao, portez-vous bien les phénomènes. Et n'oubliez pas que je vous adore et que vous êtes phénoménaux. Oh yeah! Fearless.